famille, je suis tombé sur une vidéo. Veuve joyeuse répond à Rêve Mbeye que toi, qui compte te connaître même d'abord où hein? Ta soeur, que quand on veut parler, tu n'as pas le droit de parler. Pourquoi? Parce que la genèse de ta soeur de Lolo Fodja, comment le début et la fin jusqu'à se tomber sur machin, à cause de 300 euros à Dama, qu'on peut faire ça. Hein? La partie qui m'a terminé, c'est là où Veuve joyeuse dit que quand on veut parler avec tes soupapes de narines comme et ta voix est remplie la caisse, on sent seulement que d'autres gens fument le départ. Mais toi, non, c'est comme si tu avales seulement le départ. Que regarde comment ta voix est devenue rouillée comme la rouge. Je dis, hey, même la veuve si non, non, c'est pour ça que elle n'a pas besoin des alliés, elle se répond de lui. Elle répond, Ticota, arrête de me dire que tu ne me peux pas. Que toi, voilà, tu es parti au Cameroun, tu peux faire, tu reviens avec les enfants black. Hey, hey, hey. Même la veuve, sinon, maman. Hey, non, c'est pour ça que j'adore Marie ceci. Que Lolo Fodja est incapable de sortir. C'est Rêve Mbeye qui prend les coups actuellement. C'est Rêve Mbeye maintenant, elle envoie maintenant. Ce n'est plus Marie de Kamida. C'est Rêve Mbeye qui décide de répondre maintenant aux autres à la place de Lolo Fodja. Oui. Et puis, je lui prouve que quand on veut parler, tu n'as même pas le droit de parler. Vous n'avez même pas la parole sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que votre genèse, là, c'est tellement longue que ça. En tout cas, la famille, on écoute Veuve Joyeuse, mais on se reprend tout de suite. Et... ta soeur a des problèmes ici, au Cameroun, qui était dans son état, mes cas, dans le champ, moi, le délai. On m'a amené dans une tortue ici à Paris, à cause de quoi? À cause de soutenir tous les cas, toujours. Je soutenais le nom, j'ai encaissé. Ta soeur a une histoire ici. Elle m'a appelé matin, midi et soir, mon cousin. Oh, pardon, ta veuve, j'ai dit qu'elle ne plus à la rentrée, il n'y avait pas les bons de terre. Non, parce que couvre. Je n'ai pas jusqu'à Courbevoie à l'époque. Je t'ai envoyé 150 à ta soeur. Quand j'envoie, hé, ma veuve, je sais pas ce que j'en suis comme ça, mais c'est mais tu connais les métiers des Américains? Hé, ma soeur, il y a un peu vraiment. Je te pose la question, mais ta soeur est où? Elle m'a dit quoi? Quelle soeur ça? Elle a déjà fait quoi? Est-ce qu'elle envoie l'argent au pays? Ta soeur t'a dénigré devant moi. Quand tu n'es rien, tu ne veux rien. Oui. Après, ta soeur revient du Cameroun. Quand elle y pense, l'ami n'a pas pris à monter tout ça. On a peut-être toujours les écarts qui ont sorti de cette situation. Moi, je parle de ce moi qui appelle le bien, voilà. Comment Doudou n'a même pas de quoi. Doudou a envoyé 100 euros. On a donné 150 euros. Je lui ai dit que va à Magenta. Elle est partie là-bas à Magenta. Payer la robe. Le jour elle m'a supplié qu'on passe. Moi, je n'ai pas vraiment des choses comme ça. Elle est partie. On a reçu le nom comment? Les pommes de terre, c'est moi qui la nourris. La robe qu'elle portait, moi, là, c'était toujours moi. Ce sont toutes les femmes et quand. Donc, monsieur et quand. Doudou est quand. Là, on arrive. Elle est venue ici, dormir ici, chez une et quand. Là où c'est ça. Là, juste les femmes et quand aujourd'hui. Que Fleur de Lille, les femmes. Fleur, c'est une bamékée. Oui. C'est une bamékée qui s'est servie des deux parties. Toi, il a été arrivé, tu penses. Ta propre personne est venue. Tu perds le prix, tu penses. C'est fini comment? Au commissariat. Là, il s'est arrivé avec un camp. Elle est venue faire que tu occupes un camp. Mais c'est quoi ça? Toi, c'est une vraie camerounaise. C'est une vraie champ. C'est la politique qui gagne le monde. Elle sait où gagner. Gagne, fais-le, il veut gagner partout. Quand on l'a quand, ce n'est pas de l'eau qu'on voulait, c'est fleur qu'on voulait. Mais comme on a fait des monnaies à couteau tiré, j'ai choisi. Moi, la dernière minute. Tata dit que je voulais même pas, c'est moi qui ai tout le monde à commencer avec elle. Mieux on continue avec elle. Regarde-toi, regarde ta soeur et toi, nous, aujourd'hui. Voilà votre propre soeur, Amélie, une chambre sur quoi? Qui part partout. Alors que ta soeur est banniquée comme elle. Pourquoi elle? On la met aussi en haut, comme ta soeur. Vous êtes née avec des craques aux fesses, une cuit. Vous pissez trop. On n'aime pas tous les odeurs. Vous avez des odeurs corporelles imprégnées dans vos cuisses. C'est pour ça. Tu parles de quoi? Tu peux parler d'une femme et quand? Attendez, et qui? Et quand? Quand tu n'as qui t'étend, tu rigoles quand je parle de moi. Lula, j'ai aidé qui? Voilà, c'est les gens qui sont en train de partir. Doucement, ça regarde que tout le monde est venu. Électron libre, électron libre. Les gens ont compris. Ta soeur, déjà, fait quoi? On a vu. Le monde sait que je suis. Ta soeur, là, c'est rate, rate. Même les pommes de terre. Tu étais où pour envoyer les pommes de terre? Tu étais où pour lui envoyer? Quand tu as une jeune qui va bloquer. Tu étais où pour envoyer 300 euros? Pourquoi ne pas venir avec toi? Parce que ma soeur, ça ne va pas ici. Même le gars qui devait être 10 villa. Là-bas, au pays, à Dubaï, c'était qui? Toujours en écart. Le gars qui n'a mis là, c'était qui mon frère, pour des idées. C'est sorti comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un écart. Mais alors, les écarts l'ont aimé, ils vous aiment toujours. Et pour Cameroun, quand j'ai le Cameroun, c'est un peu. Amour, vous là. C'est toujours lui qui donne l'argent. Maintenant, tu parles des amours. N'est-ce pas, regardez comment vous qui avez vous. Des comment vous. Elle vous lave propre, elle vous courez. Mais oui, Fleur ne court pas derrière les écarts. Fleur de Lille a son public diversifié dans tout le monde entier et dans toutes les cultures, dans toutes les ethnies camerounaises. Oui, mais pour que faire, elle avance avec tout le monde. Toi, tu avances avec une seule tribu qu'on appelle les écans. Tu manges de la main des écans. Et c'est toi qui viens parler. Quand on m'a dit ici, je suis moi des deux côtés, je mange là-bas, je mange ici. Toi, tu manges un seul côté, chez les écans. Tu sais, on dit souvent que, comme je rate ma vie, il faut que ma soeur me sauve un peu. Quand on te regarde, ta soeur là-bas, noti. Toi ici, noti. Vous n'avez que ça. La bouche, vous êtes là. Dans la vie,
On ne peut pas accoucher tous les enfants de ta vie. Tu es marié à soi-disant Allemand, parce que je ne passe pas l'Allemagne. Dans le même réseau, comme je vous explique l'autre jour. Tu es marié à un Allemand. Chaque temps, tu peux au Cameroun. Tu vas venir avec ton biskineur. Il te pompe. Tu as deux enfants noirs avec lui. Alors que tu es marié à un homme. En Kosovo, c'est pour quoi que ton mari est. Il te met droit chaque jour. Il récupère les enfants. Les allocations, c'est lui qui prend. Toi, tu ne prends rien. Tu parles à qui? Tu vas y aller jusqu'à 100 jours. Hein? C'est Marshall. Tu as eu pitié d'elle. Pourquoi votre peuple va m'aider à venir? La bannir. Vous n'êtes rien, on vous a vu venir. Donc, je te dis une chose. Toi, le fait que je me rappelle, c'est ma tête de pompe. Ça veut dire que vraiment, la terre est sale. Est-ce qu'elle est en conflit avec un doigt là, une doigt là? Ou elle est en conflit avec une écran qui l'a tendu la main? Et elle est cette chose là qu'on appelle le pipi. Et vous allez ouvrir vos gueules là? Oui. Là, il fallait avoir la sagesse du village. Quand a la sagesse du village. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit preuve, mais nous avons dit que comment on voit comment elle progresse. Les petits Dubaï qu'on t'a amené là, à cause de 300 euros. Nous voyons notre échange de maïs ici que tu allais. C'est dans un temps que quand le maïs sort, que tout le monde va brûler le maïs. Ici, à l'époque, si je me souviens, c'est en France. Souvent, tu entres dans un magasin, tu manges, tu bois. Maintenant, hein, tu ne peux plus manger. Tu ne peux pas aller dans ce que tu manges. Les caméras sont là. Tu vas, on va t'arrêter que tu vas piquer, que tu vas manger. Ça ne s'est plus. Hier, j'ai vu qu'on a arrêté une fille. Parce qu'elle a pris, elle a pris un coca, elle a bu, et elle a pris un sandwich ouvert, elle a bu. Au moment où elle sortait, j'étais obligé de payer. Toi-même, tu fais qu'on a demandé de payer. Où sont tes concessions? Où est ton terrain? Ce que tu sais faire, c'est que tu pars coucher avec des hommes, non, tu viens accoucher les enfants, non, en allemand. Et alors que tu es marié, soit tu es allé en allemand. Avant de me parler, change d'abord la photo, enlève la photo de ta mère, là où c'est sur le radiateur, là, à côté de la décoration qu'on appelle le tournesol. Tu mets dans un pot carré, tu mets dans ton lit. C'est ça qu'on dit quand je respecte, mais j'ai fait ici. Mais toi, pourquoi tu mets la photo de ta mère, soit disant, non, parce que ce n'est pas ta maman. Vous avez une histoire de famille tellement médiocre que je ne comprends pas. Hein? Il faut applaudir pour quelqu'un. Mais personne n'applaudira pour nous. Et toi, si j'ai raté ma vie des réseaux sociaux, est-ce que ma petite société va rater sa vie? Tu vas aller les réseaux sociaux à ta soeur, pour gagner quoi? Mais tu as laissé ma vie, un gobine a aidé, un gobine a envoyé le terrain, un gobine a envoyé l'argent, un gobine a fait ceci. C'est les amours. Donc ce sont les écarts qui cherchent, qui ont pitié de ta soeur. Et je le dis, et je dis aussi que tous les écarts qui sont dans la page, vous êtes pipi. Suivez-la. Au même moment qu'elle commence à sombrer, elle sombre avec elle. Là où elle n'arrive pas à payer le loyer, là. Mais elle n'arrive pas à payer le loyer, mais elle coûte quand même 2000 euros. Elle n'arrive pas à acheter les vêtements, mais elle commande 300 euros. Les Lumania, c'était les Lumania, voilà ta cuisine là-bas, c'était les Lumania, elle est déjà arrangée ma cuisine. Ma cuisine se fait sur mesure. Oui. Parce que c'est une cuisine de star, et ça va se faire pour ta soeur aussi. Vous dites, Yanni, il ne marche pas, je ne vis pas là. Pour 300 euros, si marche, envoyez seulement 154 euros. Je dis 154 euros seulement à pipi, ce qu'on est passé aujourd'hui. Ok, où est-ce que ça va marcher à faire? Il faut pas tes narines développer, on dirait les soupapes de l'avion de 147 qui pour Nigeria. Tu parles à qui? Tout le monde au même niveau. Tu étais à l'école à ton niveau d'école. Elle est aidée à mon niveau. Elle est venue aider ici pendant 4 jours. En partage avec 254 jours. Bon, enfin, vous avez écouté comme moi la genèse de l'histoire concernant la veuve joyeuse, ce qu'elle a rappelé à Rebembe. Et quand on veut parler, il faut tenir, il faut bien arrêter ta langue. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre d'insulter les écarts. Que moi, je me dis, c'est Fleur de Lys qui est devenu votre torchon. Mm-hmm. Donc, actuellement, Rebembe, moi, je n'ai pas vu le direct de Rebembe et je ne peux pas vous mentir. Donc, apparemment, ça marche. J'entends maintenant en bon terme avec Fleur de Lys. Pardon, ce qui énerve Rebembe. Maintenant, ce qui énerve Rebembe, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Marshall parle maintenant, peut-être bien, peut-être avec Fleur, comme peut-être apparemment, Marshall aussi a décidé de lui porter plainte à Lolo Fodja. Pardon, les nerfs! Lui, ce n'est plus hypercute. Maintenant, sa soeur, comment hypercuter? Maintenant, elle décide qu'elle linge tous les écarts. Donc, aujourd'hui, Rêve-en bien, tu décides de linger tous les écarts. Avec tout le bien que les écarts ont fait à ta soeur, ma. Elle était avec Valérie Amour. Elle était avec Macha. Elle avait le président de Paris. Avec tous ces écarts, elle avait des comme Amourou. Aujourd'hui, Rêve-en bien, à cause de 300 euros, comme Veuve Joyeuse a dit, à cause de l'histoire de Dubaï, vos secrets sortent. Vos secrets sortent, c'est vraiment une honte, hein? Il y a même certaines choses comme Valérie Amour de l'autre jour que c'est toi qui devais conseiller Lolo, mais je me rends compte plutôt que c'est toi qui l'enfonce encore. Quand tu sors pour parler comme Rêve, c'est pas moi qui disais, je vais dire que tu as la voix, comme si on te puge seulement avec le yayato. Hein, ta voix là, non, ce n'est pas une voix un peu douce, comme parce qu'il y a des gens qui disent que non. Si au moins tu as une voix comme le haricot au Cameroun, si tu arrives au moins en bec, lui, on se voit que l'Europe rince la voix, oui. Parce que quand tu arrives quand même en bec, tout change, même le comportement change, même la voix change, la voix devient fine. Ta voix devient fine, ta voix devient comme l'or. Mais par contre, ta voix seulement, ça fait que c'est aggravé, ça fait que c'est aggravé. Donc je se pose des questions que, mais la fille ici, la façon que la voix de cette fille, la fille, si par exemple, ne doit pas seulement se puger avec le départ. Je veux dire que vous permettez aujourd'hui d'insulter les écarts. À qui la faute? C'est à cause de ta soeur. Oui? C'est de quelle part?
Dubaï, ça n'a pas donné. Elle était obligée de demander peut-être un match en 300 euros. Mais elle demandait, comprenez que match n'en a pas, elle restait tranquille. Aujourd'hui, c'est maintenant à cause d'une histoire de 300 euros, vos secrets sont versés dehors. Et les enregistrements sont versés. Vous ne réfléchissez pas et pas appeler telle personne que confirme ça. Vous enregistrez un match, vous balancez sur les réseaux sociaux. Vous aurez le droit de vous répondre. Parce que ça prouve le contraire. Moi, je n'ai pas encore vu. Hein? Oui. Parce qu'on parle en rêve, mais tu n'es pas soi. Vous aurez été connu partout. Oui, si on a pu l'inviter à la table, c'est qu'elle est suivie. Mm-hmm. On voit comment elle se déplace. Oui, on voit comment les gens même l'envoient les étoiles. On voit comment les gens se mobilisent pour elle. Oui, on sait quand même qu'elle est là dans le bloc. Tous les influenceuses parlent de vous. C'est toi, on sait seulement que tu es derrière ta soeur, que tu gardes la sa manière. Sans ta soeur, tu n'es rien. C'est parce que tu sais derrière ta main, tu parles d'elle, que tu as vu, même monte un peu. Si tu ne parlais pas de vous, personne ne te calculait. Si tu n'entres même pas dans un temps quand les soirs de coco est tout chauffé avec Flo, parce que tu gardes la visibilité, on ne te connaît pas. Ton blog n'a pas de sens. Tu me dis que tu parles de l'autre côté, tu parles les choses où c'est de la police, les choses du Congo, de tout ça. Tu veux montrer aux gens que non, mais ça, jusque-là, ça ne tourne pas. Mm-hmm. On ne voit pas. Ton blog toujours n'a pas de contenu. C'est juste qu'à cause du contenu, on ne te suit pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas captivant. Oui. Il y a des gens comme Véro Joyeuse, que Dieu les a peut-être donné un don, est captive à son niveau. Mm-hmm. Tout le monde parle mollo dans la vie. C'est une femme qui est intéressante. Quelqu'un voit ce qu'elle fait. Chaque personne a ses défauts et ses qualités. Mais c'est une femme qui est appréciée. Par contre, toi, Reven Biaï, sans te mentir, les gens ne peuvent pas. C'est seulement peut-être parce que actuellement tu apportes ton soutien à ta soeur. Oui. Même tu apportes ton soutien à ta soeur, c'est peut-être parce que tu veux trop. Oui. Parce que c'est qu'elle est sûre qu'elle n'est pas obéie. Tout ce qui s'est passé là-bas, tous les jours qu'elle avait, elle ne t'avait jamais même filé quelque chose, rien. C'est quand ça cuit maintenant que tu es obligé de venir défendre. Pourquoi on va dire qu'on va faire comment mouiller, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Tu as vu qu'il jetait sa soeur avec du populaire, personne. Tu as vu qu'il peut-être régnait sa soeur. Si tout le monde tourne le dos à ta soeur, toi aussi tu ne peux pas. Même si tu tournes à la maison, mais en public, tu seras obligé de m'apporter ton soutien. Même si à la maison, tu lui parles mal, mais en public, tu viens faire semblant. C'est ça qui est ça. Mm-hmm. Même je les ai tout dit. Que quand on parle, même cet homme n'est pas droit de parler. Oui. Parce qu'à preuve de contraire, Bossan qui dit que la mère du Canada dit qu'elle n'a pas de team. Elle ne s'est pas vendue dans le team. Jusqu'à preuve de contraire, seule personne qui sait qu'elle a toujours dit que zéro. Personne qui sait l'office qui a toujours dit zéro sur cette toile, c'est influenceuse ou blogueuse d'État. Quand c'est aujourd'hui, quand les gens partent à gauche, elle est à droite. Quand les gens partent à droite, elle est à gauche. Donc elle n'est pas que. Elle a soutenu Lolo ici là. Chaque fois, même quand ça n'allait pas, elle trouvait Lolo. Mais un temps, tu deviens fatigué. Oui. Même celui qui ne voit pas le tout, c'est dit qu'il voit. Mm-hmm. Vous avez été trop qu'on peut dire qu'il faut voir sur la toile, il faut reconnaître les torts de chacun. Vous avez trop mieux le maillot pour le photo. Tu ne peux pas insulter sa maison que ça les asticots. Toi-même, tu peux rêver bien, toi qui parles là. Tu peux dormir sur une maison qui est asticots. Tu peux manger même seulement. Même si tu ne manges pas à nourriture la personne, tu peux payer ton temps dans notre restaurant. Tu viens manger sur cette personne, la maison qui est sale, jamais. Puis encore une maison qui est sale, tu peux dormir là-bas, jamais. Si elle a pu dormir 4 jours, ça signifie que vous avez été propre. Mm-hmm. Ça signifie qu'elle est propre. Si elle a même revu mal à nourriture, vous avez juste c'est la honte. Parce qu'elle a vu que si elle mange la nourriture de Veuve Joyeuse, tu ne peux pas passer quelqu'un qui fait 4 jours, tu ne manges pas, tu manges sa nourriture. Le troisième jour, tu seras obligé aussi de contribuer que, ouais, comme tu prends mon marché, prends même 50 euros et tu fais le marché. Oui, c'est juste parce qu'elle a tellement un gros qu'elle est tellement mauvaise, elle a vu que non. Si c'est qu'elle mange la nourriture de Veuve, elle va comprendre que, donc si elle mange le lendemain aussi, elle va dire que, bon, comme tu peux au marché, prends même 50 euros. Tu nous fais le marché. Mais elle ne voulait pas manger. Pourquoi? Parce qu'elle serrait son ventre, elle serrait ses intestins pour boire le lait, le nido. Elle avale seulement. Elle fume la cigarette, c'est tout. Et en partant, en rentrant, Veuve Joyeuse, pour montrer vraiment que non, ça, c'est mauvais sur elle, Veuve Joyeuse prend 250, lui donne 250 euros. Qui est la mauvaise? Qui est la mauvaise? Même si tu viens chez quelqu'un, la personne t'accueille le premier jour. C'est comme quelqu'un qui arrive chez quelqu'un. Tu arrives souvent, on dit souvent chez nous que tu arrives, la personne t'accueille. En partant aussi, toi aussi, tu montres à la personne que non, comment la personne t'a bien accueilli. Mais par contre, elle, on a fait du tout, du début jusqu'à la fin. On te donne le matelas avec le gras. Mm-hmm. En partant, tu dis encore que non, donne-moi la serviette. Et on peut faire ça. En partant, tu dis que non, tu emballes même la serviette. De ça, avant mon compte, elle était lavée, tu prends, tu mets encore au sac, tu pars. C'est ce que ta soeur a fait. Mm-hmm. C'est le merci de ça. En tout cas, merci, ma belle, à bientôt. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.